Bonjour tout le monde, soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ et vous souhaite tout la bienvenue sur ce plateau de Quiet and Peaceful. Et écoute là, et nous sommes là aujourd'hui, moi et ma femme. Bonjour. Ok. Et pour et enseigner et surtout concernant la vie de Manco. Et ce plateau a été fait pour ma piquante qui dans le couple de tous les jours et ma conseil, le cadre de ma conseil, le capable aussi et enseigner par rapport à notre vie de tous les jours, parce que nous connaissons que dans ce dernier temps, et beaucoup de mal problèmes, et au même au niveau de la société, nous pouvons trouver le taux de divorce peut augmenter. Je trouve que même mon foyer pas peut gérer, nous trouvons mal problèmes, mal circonstances, et nous trouvons mal enfants, que beaucoup de fois, nous trouvons des enfants que pas peut capable d'en contrôler. Mais Dieu permet aujourd'hui, et nous sommes capables là, moi et ma femme, aujourd'hui, nous sommes là. Et pour capable faire un enseignement, pour capable expliquer et aussi pour éclaircir concernant strictement et le foyer et surtout et aussi pour répondre à ma question. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie d'élaborer des petites affaires. Dans ce dernier temps, le livre de Timothée, il dit que sache dans le dernier temps que surgiront des temps difficiles. Et surgiront des temps difficiles, nous pourrons remarquer que les temps pouvaient vraiment, vraiment, et dans ma circonstance et ma situation que tu as, et nous sommes prêts, et surtout au niveau de mon foyer, nous sommes prêts pour nous-mêmes, hors nous-mêmes, d'une façon qui nous capable d'expliquer cela. Si un quelqu'un qui est en bataille, qui est en guerre, il n'est pas capable comme cela, mais c'est moi qui nous capable de préparer. Et nous, surtout, que Dieu, la parole de Dieu, dit nous comme cela, nous sommes la lumière du monde, et vous pensez que quand nous sommes la lumière du monde, il est important que nous réfléchissions, parce que le monde en dehors, je ne pouvais dans le loyer, je ne pas connu que je pouvais être, mais c'est moi dans ce moment-là. Vous pensez que nous pouvons être la lumière du monde et nous capables de montrer et qui nous peut bien faire dans ce moment qui est vraiment difficile là. Et nous finissons choisir ce plateau pour aujourd'hui, Paul, et nous pouvons élaborer des trois petits conseils qui nous capables de nous donner aujourd'hui. Et le thème aujourd'hui de ce qui nous peut causer, c'est la fondation d'un foyer. Nous pouvons expliquer ça un petit peu, la fondation d'un foyer. Un petit moment, et ma femme pour élaborer, et un foyer, c'est quoi? Et puis, nous pouvons partager un petit peu avec d'autres, ma petite chose, ma conseil, et à la fin, bon, vraiment, quoi, que, aujourd'hui, nous capables de nous donner quelques conseils qui sont capables de servir. Et pour nous, personnellement, Dieu vient enseigner nous dans des grandes façons de notre vie tous les jours, et Dieu permet qu'à notre jeune âge, d'une façon qui nous vient, et mettre nos foyers, nous vient mettre une base. Vous pensez, c'est une base. Et vous pensez que, aujourd'hui, et la base, c'est là, vous pensez que ma femme pour capable d'expliquer un petit peu la base d'un foyer chrétien, c'est quoi? Et vous pensez? Et à vous? Bonjour tout le monde. Nous basons sur une verset de la Bible, Genèse 2, 24, il dit à nous, l'homme quittera son père et sa mère, et il va attacher à sa femme, et tous les deux vont venir ses chairs. Et ce verset, quand il y a l'homme qui travaille, il ne va pas dire qu'il quitte ce moment, c'est parce qu'il peut être détaché de ses parents et il peut être attaché à sa femme. Quand nous sommes dans ce verset, nous connaissons quand le mariage, quand madame, monsieur devine un ensemble, nous trouvons une des caractères différents. Je connais la façon qui peut-être madame et fille vivent dans la case, vivent différemment, sa façon, son caractère de faire, et peut-être monsieur là aussi est différent. Et dans un foyer, quand deux caractères vivent ensemble, ça peut être un seul style de vie. Il y a des fois, nous disons ça, est-ce qu'il me bien fait le choix quand nous trouvons quelque chose, mais d'après dérailler, nous peut trouver pas pareil caractère là, mais d'après est-ce qu'il nous bien fait le choix. Mon petit exemple, c'est ça. Je connais quand dès qu'il y a besoin d'un foyer, il y a des fois, c'est normal. Mais si nous vécu dit quand nous fait marier, parce que mon caractère, mais ce caractère est différent. Mon goût avec ce goût est différent.
Mais Dieu fin unir nous ensemble. Il connaît nos cas, compte nous l'un de l'autre. Il fin de mettre nous ensemble. Et il y a des fois, arrivé dans le foyer, côté d'un ben, tyrannement, là, nous dire, lit dans le taux, ou soit, ça n'a pas en taux. Nous mettons, mais, ça n'a pas, tu faisais pas faire ça, ou ça nous met taux, là, ça n'a pas, tu faisais pas faire ça. Nous vous prenons l'exemple. Vous êtes connus dans le jardin Eden, quand Adam, tu péchais, qui l'indien, il dit, bon Dieu, comme ça, guettez ça, madame, qui te met à côté de moi, là, qui me fait moi faire, ça péché, là. Qui fait c'est une accusation. Il y a des fois, nous, si nous vieilles hommes, nous prendrons, nous mettons ça dans le foyer d'aujourd'hui. Nous disons, aïe, c'est un alarme. Lise qui nous dit à moi ça, sinon pas tu peux faire ça. Mais il y a des fois, si nous réfléchissons, nous basons comme ça dans le foyer, nous mettons tout le temps, il dit à moi, c'est 50-50. Pour arriver à une discussion dans le foyer, c'est si tu pas tu dis à moi ça, mais pas tu peux faire ça. Nous mettons comme ça, nous assisons. Nous disons c'est 50-50. Et puis, qui nous fait, nous avons la dialogue, nous expliquer, nous communiquer. Dans un foyer bien important, qui nous communique. Parce qu'il fait, parce que c'est des caractères différents, des choses différentes qui nous donnent ensemble. Il y a des fois, nous prenons mal différents de nous habiller dans le foyer. Mais la communication, il joue un grand rôle. Moi, content ça comme ça, moi, content. Mais si nous assiser, nous causer, nous discuter, nous tombe dans un point de vue que tous les deux, d'accord, ensemble. Mais si nous pas communiquer, chacun garde ce différent. Léla, il crée quelque chose, y aller, il y a des petites affaires, mais nous faisons des belles affaires. Quand Léla nous trouvait, il y a un divorce. Quand dans la famille chrétienne, nous faisons le divorce. Dieu finit unir nous ensemble. Ok? Léla, si, Léla, qui revient, c'est le pardon. Nous basons sur la parole de Dieu. Nous connaissons le foyer de chrétien, nous faisons le pardon. La Bible dit nous, d'accord? Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est le pardon, hein, amen, le pardon. Nous faisons arriver. Mais là, nous, point de vue, il y a des fois, c'est différent. Pas à cause, nous, un foyer, il y a un pasteur, nous disons, quand il y a qui peut gagner, nous disons, ça va là, non. Vous êtes corrects, vous êtes non. Il y a des fois, nous aussi, nous, différent. Mais c'est moi, qui nous fait ça, il y a pour nous basons sur la parole de Dieu. Et n'a le pardon. Et le pardon, nous capables, nous n'a nous égaux, nous capables, nous quelque chose, mais nous mettons tout de côté et nous barrons sur la parole de Dieu. Nous revêtions nous de l'homme nouveau. Dans Éphésiens 4, vous êtes capables d'ouvrir plus tard, vous êtes dit, Éphésiens 4, verset 21 à 24, il dit, nous revêtions nous de l'homme nouveau. De l'homme nouveau, c'est la parole de Dieu qui nous, et n'a le pardon. La Bible dit, nous, dans Matthieu 18, verset 22, il dit, cette fois-ci, soit nous vous êtes pardonnés. Et notre verset, Éphésiens 4, verset 26, il dit à nous, ne couche pas sur ton colère. Et le corps capable de gagner une discussion qui ne pas nous pardonne. Il y a des fois, peut-être, déjà, vous avez dit, moi, je fais le premier pas. Non, moi, t'amener. Parce que tout le temps, c'est moi qui fais le premier pas. Nous vous prenons l'exemple. Vous connaissez Dieu, c'est le Dieu de gloire. Il quitte ce trône, il vient sur la terre. Qu'il y fait, il fait là, du pied se bandissait. Il fait humilié. Pourtant, c'est le Dieu de Dieu. Mais nous, il y a des fois, peut-être moi, on fait le premier pas, mais aujourd'hui, vous prenez courage. Si le Saint-Esprit, tous êtes les gars, il y a des fois, quand il y a de haut, de bas, faire le premier plat. J'ai capable d'arriver, capable mon ego, non, mettre ego de côté, mettre tout de côté. Mais vivre ce que Dieu nous donne. Vivre sur la parole de Dieu. Barre sur la parole de Dieu. Et je vous trouvais en dans deux autres, prenez une extra la joie. Parce que nous restons faire le premier pas. Nous construire, nous bâtir le foyer. Et un autre exemple pour vous dire, vous connaissez, il y a des fois, nous, humains, en dans nous, nous vous dire comme ça, non, laissez. Puis peut-être, elle a mal, oh, mais si j'ai moi, homme, soit moi, non. Mettre tout de côté. Pour te construire, il y a des fois, tu as besoin des structures égaux, toutes bâtisseuses, mais tu as besoin de tenir toi que sur la parole de Dieu. L'amour, c'est quelque chose qui nous cultive. Et capable, là, capable de 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, c'est pareil comme une flair. Nous donner ce de l'eau, nous ce fortifiant, et nous porter ce fait. L'amour aussi, pareil, nous devons cultiver. L'amour, il grandit de jour en jour. 1 Corinthiens 5, il dit, nous, l'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. C'est vrai. Et ce qui m'a fait comprendre, et ce qui nous fait partager, m'a fait un petit recap, c'est qui m'a madame, qui me dit,
c'est que en parlant d'y permettre, mon cas permet de donner un témoignage, mon pensée, et ça se rappelle pour moi que nous aussi dans le foyer, nous pouvons ajuster dans le foyer, pas tout quelque chose, mais penser que quelque part, et nous pouvons vivre le tapis de rose, non, nous passons dans des circonstances difficiles, et qui que ce soit financier, qui que ce soit n'importe qui, nous sommes des humains, et le matin quand vous levez, moi aussi, moi humain, mon cas travaille, ce sont des choses de la vie qui nous font vraiment face. Et me rappelle que quelquefois, enfin, dit bon, qui m'a mis qui pète de moi, ça pouvait être beaucoup. Et une fois, on était capable d'avoir une discussion, et c'était un témoignage personnel qui m'a fait envie de porter ça, mon madame Villa, et dit bon, qui nous porte ça. Je suis gagné une petite friction, et quelquefois, ça gagnait, tout le monde gagnait. Et bon, c'est un qui m'a pouvé l'eau là, et mon quoi qui mon madame qui expliquait aussi, qui nous baisse, nous mettre nous foyer l'eau sa base, hein, sans qu'il nous saute ça, un petit moment m'a pouvé l'eau là. Le témoignage qui nous vécu. Mais c'est marrant, le fait c'est que quand une vie dans nos foyers, nous commence et fonde nos foyers, il y a une petite chose qui m'encourage toutes les personnes, surtout ma monsieur qui est le chef de la famille, et nous mettons une petite chose, et mon madame pour confirmer, quand nous commence nos foyers, première petite chose, deux éléments importants, nous mettons qui jamais nous pouvons discuter. Il est important, nous sommes capables de discuter, mais c'est marrant, toutes les choses pour être résolues. Tranquille, parce que vous prenez l'exemple, mais vous pensez, c'est une question, si vous êtes capable de passer demain voisin, si un jour une tente de la voix, soit une crasse caraille, une crasse d'exil, toutes ces choses, non, non, ne pas faire dit parce que nous bisons un témoignage, vous n'êtes pas les autres tentes du problème qui n'a de nous la case. Et nous médecin, commencement, et quand nous fait que moi, dès quelque chose de base, et c'est ça qui m'a madame qui me causait, des bases bien importantes, et mon pays en pipote à ça, me souligne ce qu'il nous fait dire. Et première base, ce qui fait le c'est la communication. Il est important de communiquer, causer. Et une question sortie, comme on m'a dit, just downloaded from heaven. Et dans mon maison, trouver, me cède la place, et puis, pour reprendre, pour expliquer des trois petites affaires, me trouver qu'il y en a beaucoup, maintenant, bien beaucoup d'exécutifs. Oui, la peur comme si. Et me penser, si tu as quelque chose à dire, pour encourager Mathieu, qui est un dialogue, c'est une affaire vraiment importante. Oui, un dialogue est important. Je connais les autres conjoints, c'est quelqu'un qui se porte à le meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est quelqu'un qui est prêt à mesure de te partager ses autres conjoints. Faut dépenser dans cette peur pour dire aux autres Michel quelque chose. En contraire, nous bien dans la crainte, ou nous bien respecter, oui. On a la crainte, on a comme tiens, le respect, hein. Mais c'est moi, faut les pas nous pire pour dire quelque chose. Il y a des fois, ça qui crée qu'ils se de foyer, qu'ils ne pas qu'à exprimer. Les là qui fait de garde en dents de autres, parce qu'ici, il n'est pas fait connaître qui se peut penser. Parce qu'il n'est pas encore deviné, c'est Dieu qui connaît qui nous pensait. Mais ici, il y a C'est vrai. l'humain. Il pas comprendre, mais il faut les autres dialoguer, de dire, les policiers, ils comprennent qu'ils se peuvent penser. Il y a des fois, beaucoup nous trouvent à ça comme si ce gars de captif, ils la peur. Attention, moi, dire ça, pour penser. Attention, moi, dire ça. Non! C'est la peur là qui bloque ton foyer. C'est la peur là, parce qu'il n'est pas pour connaître qui te pensait. Il n'est pas pour connaître ici, il va pour réagir. Te bégaler au nom de toi, il n'est pas pour connaître. Mais c'est un peu important, j'explique-lui. Et une façon d'expliquer aussi. Pas te lever la voix, te assiser, t'expliquer, te dire qu'il m'a pensé. Ça fatigue, moi, je ne suis pas content quand tu fais comme ça. Mais nous faisons tout qui se dans l'amour, dans le cadre de la parole de Dieu. Et nous trouvons le Saint-Esprit pour guider. Et le Saint-Esprit est là pour agir. Quand je te dis guider, pour guider dans le cadre Oui, de c'est vrai. penser. Et vous pensez aussi que la femme, il bien qu'on et amène ce monsieur, il met un dialogue avec lui, dans un bon cadre. Pas que moi, monsieur, la personne au petit travail, puis il veut que moi, je prends tout mon poids, puis il descend dans lui, parce que l'homme, quand il fait ce travail, il ne peut pas oublier que l'homme, il a un poids qu'il peut prendre depuis ce travail, puis il vous pensez que la femme, enfin, mon potage dit avec un grand sourire, que quand vous sur travail, vous avez dit mon moment d'affaires, et avec un grand sourire, pas qu'il y ait moi, sans qu'il y cause, et jamais mon trouble, bien avec le problème directement. À moi, c'est une urgence qui peut bien causer, mais c'est moi, les problèmes, vous êtes capable de retenir, c'est que quand l'homme peut rentrer dans la case, ou même la femme, et c'est vice versa, c'est pas juste l'homme. Quand la femme peut sur le travail, peut venir, pas l'homme pour venir, pour dire, Carrie, pas bon, l'autre, pas bon, l'autre, non, non, non. Accueillir, et vous pensez que, et c'est ça aujourd'hui qui est le problème qui est arrivé. Quand vous pouvez trouver que la case même, dis-moi pas que vous restez dans la case, parce que sur la case, c'est un affect vraiment dur. Mais vous pensez un dialogue. Première quelque chose qui vous souligne, c'est une communication. Si vous pouvez trouver quelque chose pas bon, c'est une façon de faire. Regardez, vous prendre l'exemple, il met un petit sel plus dans le carré. C'est pas avec colère qui vous besoin régler ça, mais c'est pas avec un dialogue à table, pas dire ni non, ni on peut manger, ni même ni pouvoir remarquer qui quelque part. Et là, des fois, c'est un peu plus. Lui-même, il pouvait venir, mais la prochaine fois,
ou d'y aller avec beaucoup d'amour, que ça ne fait rien, mais c'est mort la prochaine fois, tu contrôles un petit peu du sel. Mais tout un dialogue joue un rôle, vous pensez, dialogue, dialogue. Il y a pourtant marché de quelque Oui, bien chose, c'est sûr. ça. Et il y a des fois, c'est quand même penser que le temps est trop limité. Comme si nous, nos enfants, si mon Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, nous aussi, le temps est bien limité. Nous, l'œuvre de Dieu, nous, nos enfants, la famille, ils balancent tout cela, il y a travail, il est difficile, il y a des fois. Mais c'est vraiment que Dieu, c'est un travail trouble le temps. Dieu, vous avez connu qui fasse ce trouble le temps. Il y a des fois, par exemple, tu me comprends, quand ils sont au travail, il y a des fois, vous connaissez, il rush, il y a un love, bizarre, je sais pas, qui me fait, il y a des fois, pour me prendre mon pomme d'amour, me prendre mon joyau, moi, Déali, me cause toujours, c'est libéré dans la salle, où tout le monde me cause toujours, me veut dire, comment passer moi, Déo, il y a Déo, me ressort, il y a dans mon plat, me cause toujours, c'est mon essayer de trouver moi, juste moi, avec les temps qui m'ont énormes. Hein, ça y est pourtant. Et il y a des fois, sinon, quand vous pouvez manger à table, et les temps qui vous trouvent, la communication, il y a pourtant. Ou soit le matin, vous voyez, le matin, il y a un rush pour travailler, ça connaît ses occupations, mais trouvez-les, je bisais les temps. Parce que ça, les temps, il y a pourtant pour garder le couple actif. Amen. Et justement, on va connaître pourquoi tu n'es même sujet barré, mais c'est moi, vous pensez, il y a pourtant pour ma couple, connaître et reconnaître qu'ils tiennent des temps pour ça, nous sommes des humains. OK? Parce que nous tiennent des temps et c'est ça qui garde nous actifs. Et surtout, on va dire, s'ils nous continuent dans le train de travail, 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 et comme s'il y a une routine de vie, vous pensez, il y a un problème, vous pensez, un break. Et là, des fois, il y a pourtant un petit break, il y a pourtant un petit dimanche, et vous connaissez autour des enfants. Mais c'est moi un petit break qui est important et un petit point qui m'est capable de dire, il y a beaucoup de monde qui canne au niveau de l'église, tu connais qui nous enseigne ça, de nous montrer ça, que elle fait des enfants d'hôpital, maintenant fait des enfants d'hôpital, mais faire, pardon, faire des enfants, à le coucher, à l'heure. Parce que pourquoi? Si un enfant qui a le coucher, il n'y a pas qu'une notion, surtout un enfant du petit, il n'y a pas qu'une notion de ce l'état, il pouvait l'état, tant que vous laissez assis devant la télévision, il est content. Mais un point qui me donne ça, si vous faites un enfant fini à dormir 7 h, 6 h 30, fini pour ce dîner, et 6 heures, c'est à part le jour qui est dans ma réunion. Mais il finit monte le soleil, il finit dormir, il vous donne où les temps pour capable, quelque part, et respirer, et quelque part, matière, et trouve les temps entre le foyer, et il y a une affaire extrêmement, extrêmement importante, vous pensez. Vous pensez, extrêmement important. Et la deuxième chose, c'est qu'il nous causait, c'est 50-50. Et vous rappelez, vous venez de ce témoignage, vous rappelez que nous déjà capables, nous gagnons en friction. Nous pas parfait, mais la personne qui est parfaite, comment je te pareil, peut ajuster, mais c'est moi, nous trouve beaucoup de puissance, mon vie, j'ai certaines affaires, avec l'autorité, et on a beaucoup, beaucoup de puissance dans la parole de Dieu. Quand je t'obéis à la parole, je trouve le foyer restauré dans toute petite chose. Et finalement, que nous gagnons un petit problème pendant la journée, mais le soir, avant moi dormi, moi, je fais bouder, moi, j'ai moi, je fais bouder, ok? Mais, mon madame, finit moins d'affaires, et ça finit bien vos pensées, et juste avant moi aller, et mal servir, car servir ça, mais c'est moi, pas trop servi. Mais, avant qu'il m'en a dormi, et les diamants, qui sort, les diamants, moi, qui te pas à dormir, qui te pas à couche-toi, avec colère de te léquer, qui est complètement dans la parole de Dieu, et ce qu'il finit dire, il trouve dans la parole. Et pour moi, personnellement, quand il me dit à moi ça, c'était avec tant d'amour, tant d'amour, il pas me crier, il pas me dire non, mais c'est moi, il me rappelle, moi, que la parole de Dieu, c'est nous, pour moi et pour lui, il connaît, n'importe qui arrivait dans notre maison, c'est la parole qui primait dans la case. Primait, nous capables de coller, nous capables ici, mais c'est moi, nous besoin dans le pardon, nous besoin dans la compréhension, la compassion, miséricorde, comme Jésus-Christ. Et vous pensez, ça finit, et moi, pour réagir, moi, capable d'un homme de Dieu, mais c'est moi, tout le temps, c'est tout le temps, qu'on encourage toutes les couples de fonctionner par un seul fonctionnalité. Parce que quand moi, une petite chose, vous faire, me permettre d'y aller, que ma femme, aide-moi beaucoup pour ma décision. Moi, je prends la décision finale, mais seulement c'est lui qui aide-moi pour être capable de prendre une décision et vous aide-moi pour prendre une décision par rapport à toute petite chose. Mais c'est moi qui prends la décision finale, c'est moi qui viens de mettre mon genou en bas en tant que chef de la famille. Pour mettre mon genou en bas, moi, c'est moi le roi de bondir, moi, payer le prix. Mais aide-moi comme un support. Et la Bible dit comme cela, la femme, c'est un support, un aide, c'est un aide, mon bisami. Et si au bureau fonctionne, tu sais, il n'est pas capable. Et quand vous finissez écoute cette parole, il dit à moi, au fait, dit vraiment, mon aller, mon type en prière, mon aller, mon prier, mon retourner, mon réconcilier. D'une façon, moi, pitié de dire ça à la maison, nous couloute sur le mal de la croix, nous couloute, nous manque de pardon, et couloute, nous manque de pitié, nous manque de sentiment, parce que l'œuvre de Dieu dans le foyer, nous pas capable de vivre avec sentiment. Et vos pensées, avec sentiment, ils causent beaucoup de problèmes, si nous vivons avec sentiment. Mais si tu te coupes sur la base,
de la communication et de la parole du prédicateur. Et deuxième point qu'il soulignait, c'est 50-50. OK? Et vos pensées, vos mots pour dire lui, et vous voyez, réponse et qui n'y finit pas, mais c'est vraiment, vous pouvez toucher pour souligner, vous êtes capable, moi. Beaucoup de foyers disent lui, en tout, moi, mon panto. Jamais, vos pensées, si tu donnes un exemple, tu es capable de donner, c'est un foyer, pévini, 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 dire comme cela, et lui, mal, puis manger, ni crier en moi, quoi, ça. Non, non. Et vous pensez que, tout qui te sauce, tu mets là-dessus, tu es de moi? 50-50. Exact. OK. 50-50, tout qui te sauce, lui, vous prendre l'exemple. Madame là, elle vient une tape ou un calotte. Vous avez une raison qu'il tape ou un calotte. Si vous recevez un peu que camarade, ce qu'a dit à soi le chemin. Mais vous pensez, elle a une raison pourquoi, elle est bizarre en colère. Ça veut dire tout qui te sauce. Ça veut dire que dans la chaîne de chimie, il dit every action, there's a reaction. Tout action, vous avez une réaction. Si vous venez une criole, il est normal une criole. Ça veut dire que le petit bassin, quand le petit moyen, le petit rentre à la maison, le met nous sur la base de la parole. Et nous pouvons porter un secret et d'autres. Et nous ne pouvons pas dire qu'il nous plie meilleur qu'il peut. Non, non. Dieu fait une PME qui nous est capable de gagner sa main de petite chose pour nous bâtir nos foyers. Et aujourd'hui, c'est un plateau de quiet and peaceful. Et nous pouvons porter ça avec d'autres pour qu'ils autres maintenant, d'autres mettent ça en pratique. OK? Deuxième, c'est 50-50. Jamais vous dire moi, on te lit, on te non. Dans tout problème, où il y a une raison pourquoi ce problème-là finit arriver. Si vous partez rentrer la case, c'est pas qu'il partit vous crier avec vous. Si vous partez crier en ligne, si vous partez crier avec vous, vous pensez. Et l'auteur de l'accusation, c'est toujours le diable. Amen. Et l'auteur de l'accusation, voilà, il dit que l'auteur de l'accusation, c'est purement le diable. Le diable pour accuser. Mais nous qui nous faisons faire, nous faisons connaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je fais finir dans cette émission, mettez votre foyer pour connaître quand il y a un problème, ça qu'est dans votre tour. Pour moi, pour lui, et devant Dieu, quand il y a un problème, nous causer. Nous disons, bon, nous disons, nous causer, nous disons, 50-50. Que notre cause, ça, c'est que ça finit arrivé, c'est 50. Et là, qui dit pour faire, il crée ça, là, il crée une plateforme. Il crée une plateforme d'équité, d'equality. Qui m'a dit quelque part, et là, ça finit arrivé, problème là, il n'est pas bien d'histoire qui qu'elle. Problème là, bien, et là, problème, maintenant, que notre pauvre, moi, dans vos pauvres. Et là, tous les deux, pour coller ensemble. C'est un secret qui ne porte pas à la maison. OK? Et vous pensez que, vous touchez un petit bout, il y a quelque chose à ajouter, avant de terminer, vous pensez, me cause un petit peu par rapport et le rôle de l'homme d'un foyer et puis et mon madame me cause un petit peu le rôle de la femme d'un foyer qui se rôle qui se travaille et vos pensées et aujourd'hui je gagne deux grands quelque chose vraiment fondamental pour votre foyer. Le premier c'est communication, communiquer, risque and sales, loin de la table, voisin, pas besoin de connaître, pas besoin de crier, baisse la voix, amène tout à fait tranquille parce qu'il faut pas être franc avec eux. Dans nervosité, n'en y est pas pour régler. Aucun problème, pas pour régler. Au contraire, les couples en privé. Et deuxième, une fille de nous un deuxième qui 50-50. Lis pas en tour, moi aussi, moi pas en tour. Soit, et pardon, sorry, m'aurait dire. Il est dans ce tour, moi, dans ce tour. C'est-à-dire que quelque part, nous sommes un pied d'égalité pour nous régler un problème. OK? Et voilà des petites choses qui nous finissent de nous. Mais aujourd'hui, avant qu'il nous termine, moi, j'ai envie de partager une affaire avec eux. Le rôle de l'homme dans le foyer. Le rôle de l'homme dans le foyer, et il y a quelque chose qui vraiment agace moi, mon partage du cœur. Vous pensez ici, mon madame, il y a quelque chose du cœur, une cause du cœur là. Nous ne pouvons pas planifier, mais c'est vraiment une ressenti, le Saint-Esprit qui nous take over. Et mon ressenti pour moi, mon vraiment gain agacé, l'homme, c'est le devoir de l'homme pour lui diriger sur la carte. T'as l'air, mon madame, pour cause sur le rôle de la femme, vous donnez des trois petits points. Court et direct, l'homme, tu as besoin de travail, mon pas d'accord, mon franc et catégorique, là. Mon pas d'accord avec ma Michel qui paraisse. Mon pas d'accord avec ça. Parce que la Bible claire, tu as besoin, mange à la sueur de ton front. Et un homme, il besoin, un homme qui solide, il travaille pour sa famille. Pour moi, personnellement, mon cas, j'ai une affaire, comme, et dans des fois, mon capable de lever, moi, humain, me lever, mon pas envie à le travail, tellement la pression de travail, tellement ici, là-bas. Mais mon connaît qui m'a dans mon mal avec mon enfant. Et mon bizarre dit bout, même capable de vous sentir faible, affaibli, vous connaissez une responsabilité, ou dit bout, vous prenez la responsabilité. Et un chef d'une maison, c'est lui, le leader. Ou pas capable, un chef d'une maison, pardonne-moi, avec beaucoup d'amour, et beaucoup de sagesse, mon PCV, et mon dressement, je suis pas capable de dire ça. Ok? Et mon partage ça avec Dieu. Un monsieur, c'est le rôle principal de la case. C'est lui qui prend décision, ou pas capable, me permet de dire ça. Mon madame, quand il est là pour prendre une décision, quand il est là pour les enfants, allez, il n'est pas pour faire un an, tant qu'il n'est pas des bonnes mois. Il est capable de connaître, mais me prendre l'exemple, enfin, tu confirmes avec moi, même il est là pour lui sortir,
Il connaît qu'il me jamais mon bon PC sorti, mais seulement il pouvait même coup de téléphone et vite mon PC sorti, mon père d'écoute, mon PC sorti un petit coup. Mais pourquoi? Parce que toute décision dans la case, c'est bizarre centré sur l'âme. Ok? Et il travaille, mon petit jeune frère, Dieu m'est témoin, il dit bon, on doit te planter, tu as un droit, refute-moi. Et mon père, tout s'aime sous de ce l'argent. Parce que pourquoi? C'est moi qui ai le rôle qui m'a besoin d'amener. Ce l'argent, c'est pour lui nous partager, il donne cela à dîme, il fait ce qu'on va faire. Mais moi, toutes les dépenses, pourquoi vous payez, vous dire toutes les dépenses de la maison? Tu te confirmes avec moi que c'est moi qui prends toutes les dépenses qu'on met de vos épaules, mais c'est moi, aide-moi. Il vraiment dit, aide-moi, que tu es là, ma du coup de moi, le support, mais seulement, nous bisons solides, les hommes, nous bisons vraiment, vraiment solides, et qui nous bisons prendre une décision, c'est nous qui prenons la décision dans la maison, et il est vraiment important. Et là, le rôle de l'homme spirituellement, c'est le papa, c'est lui, qui est the hedge of the house. Hedge dans le contexte de man juif, hedge, c'est un entourage. Pareil comme à longtemps, dans la maison de man juif, pas tient la séparation des murs, mais tient la man séparation de man vie, ma séparation de fond, ce qu'ils nous appellent man gros épine, si fait séparer. Mais nous, man homme, c'est nous qui nous protégeons de la case. Bon, pas connaître pourquoi, mais il est bon de me dire, moi, bon, pour être franc avec vous, ou pas capable, un mission, ou en tout cas, des démons nous ramènent dans la case, ou bien protégeons la maison. I don't know. Et vous connaissez que dans nos préparations, nous payons ensemble, et vous pouvez dire, au nom de Jésus-Christ, il n'est pas possible que, ou bien ça protège ou madame, ou bien ça protège aux enfants, et pas mélange toutes les choses, ou la case, c'est un lieu sacré, ou dans la case. Ok, mon porte à ça, ou rôle aussi, en tant que mission dans la case, c'est prier, c'est où? Pas ou madame qui vous a dit, ou à l'église, c'est où qui vous a dit, ou rôle, ou bien l'église, c'est où qui vous a marche devant, et toute la famille vous suivre. Pas les autres enfants, vous ça, que lui, dit pas que ma parole d'église, on dit, contrairement à la parole, tu es le chef de la maison, et avec beaucoup d'amour. Vous connaissez ça, film blesse toi. Bon, pas me dire toi que ça peut, moi, peut dire toi que, prends-lui comme une blessure, comme une offense. Mais refais à toi. C'est ça que le but de sa place, de quiet and peaceful. Et pourquoi le but de quiet and peaceful? Quiet and peaceful, donné de Dieu. Ce nom a été donné du Saint-Esprit et aussi de Dieu. Quiet and peaceful veut dire que foyer, vous êtes tranquille et qu'il n'en a plus. Amen. Et vous pensez, moi, madame, vous pensez, moi, que vous avez beaucoup, mais, vous pensez qu'il y en a quelque chose à dire surtout à ma femme, dans mon foyer, vous pensez? Oui, je sais un petit peu mon oui. Bien. Côté travail, il y a des fois capable à ceux qui travaillent, peut-être un petit plus, hein. Le pasteur vient bien, mais un petit plus. Et il y a des fois, il y a beaucoup de madame qui se travaille et de michis. Non, par contre, hein, il est bon de te dire de michis. Parce qu'il est bien dit, oui. Mais c'est pas un plus qu'il y a des fois, il y a des enfants, on a beaucoup de petites affaires, je peux aider, hein, mais dit Michel, il peut redire comme si, il va pas, ils ont besoin d'une case de Michel, il peut poser, mais c'est de tout cœur, je te contribue. Vous êtes, la maison, il y a des fois pour obéir, vous êtes la maison, c'est, ici, c'est moi-même qui fais, c'est pareil, hein. Nous pouvons faire, ben, quelque chose pour les enfants, mais pas là pour tirer de moi. Il faut donner ça. C'est qu'on se responsable, c'est le main duty pour manger à la maison. Pour faire ben ce qui vient du peuple ben l'affaire, ça c'est son main responsabilité, mais nous aussi nous, madame, il y a beaucoup madame travaille, je peux faire de plus dans notre maison, je peux aider, c'est bien, hein? C'est bien, dans ce de penser d'être capable de faire quelque chose, mais c'est bon, ça point là, ok. Mais maintenant pour la femme, le rôle de la femme, ben il y a beaucoup rôle à jouer. Beaucoup à rôle. Mais je suis capable de penser, je sais, mais moi, je fais beaucoup de sacrifices, capable, et il a fait penser, moi, je fais beaucoup de sacrifices, moi, je connais, je te fais lire, si je peux faire lire encore. Dieu fait avec nous, il appelle nous cette aide pour aider, nous, pour une famille, il y a beaucoup de responsabilités, si je peux faire lire, continue faire lire. Dieu vous donne ce courage, parce que quand Dieu fait créer nous, tout le temps, moi, je te dis, il met en nous cette force, cette courage, beaucoup de choses nous faire, et Dieu vous donne encore. Mais qui toujours nous fait tout petite chose pour construire, pas pour détruire. Une femme les construire, une femme l'aider, les bâtir. Une femme les construire ce foyer, les donne l'amour, ce michet, ses enfants, les fait toujours de bonnes choses. Il y a des fois, c'est mon conjoint, nous car est facile, parce qu'il vous peut causer, parce qu'il vous l'aider converti. Il y a des fois, mon conjoint n'est pas converti différemment que ce qui me peut passer. Mais mon Dieu, c'est une affaire. Elle est une verset de la Bible qui dit, moi et ma maison serviront l'Éternel. Amen. Amen. Quand tu pries sur cette verset, appuie-toi. Elle nous permet de conjoint pour convertir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et dans cette foi, continue de prier pour lui. Mais toi qui connais Dieu, tu es la lumière.
fait, de connaître la vérité, agir selon la parole de Dieu. Il y a des fois, il n'est pas comme bon Dieu. Il peut agir différemment. Il peut agir avec un esprit de colère. Il peut pareil comme ça. Mais toi, tu connais la vérité. Il fallait te créer une différence. Si toi aussi, tu peux réagir pareil comme Ali, ben, il n'est pas pour une différence. C'est un appel chrétien, mais toi, tu connais avec l'amour. Il y a des fois que tu es bien, reste tranquille, reste tranquille. Priez-toi. Dieu donne-toi. Mais Dieu ne donne que la prière. Tu es bien à la foi. Un jour, il peut arriver d'ici, il peut convertir, il peut venir, il peut donner témoignage. Amen. Beaucoup de foyers le trouvaient comme ça. Mais peut-être ce jour pour quoi arriver, mais continuez à la foi, priez. Dieu peut agir. Et le rôle nous connaît, il n'est pas facile, il y a des fois. Mais Dieu avec toi, le Saint-Esprit avec toi, il faut qu'il doit base-toi toujours sur la parole de Dieu. Dans ma situation qui est arrivée dans la vie, pose-toi la question, Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire dans cette situation? Comment pour réagir? Base-toi sur que la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit pour toi, c'est ton meilleur consolateur, ton meilleur ami. Amen, amen, amen. Voilà, et vos pensées pour aujourd'hui, nous finissons qu'un partage et ces choses, ok? Et me tenir à vous dire que sur le plateau de Quiet and Peaceful, qui et Dieu nous permet, qui nous capable de faire lire, et aussi pour les autres, pour donner d'autres conseils, et de vous faire lire, guidé par le Saint-Esprit, nous capable de faire lire encore. Et aujourd'hui, me tenir, aujourd'hui aussi, partage avec eux, et nous peut terminer. Et juste après ça, après nous prendre pause, et juste après sa pause là, nous pourrons répondre à ma question qui nous finit gagner. Et maintenant là, je vais trouver à l'écran, je vais mettre ma numéro de téléphone, ok? Et le service technique peut mettre sa numéro de téléphone là pour être capable d'écrire, ok? Et aussi pour être capable de prendre et avouer nous autres ma question. Vous êtes ma problème et nous capable de discuter ça. Vous êtes ma problème, je vais demander ma conseil, nous vous discuter ça sur le plateau de Quiet and Peaceful. Et nous vous prenons cette même question pour donner cette même conseil approprié. Voilà, le numéro de téléphone peut réapparaître encore. Et me demande cette, et prends ce numéro de téléphone, écrire, envoie-nous par texto maintenant, et dans WhatsApp, et dans tout le système, et connecter avec nous. Et voilà le numéro de téléphone, et qui vous êtes capable, et connecter à vos autres messages, et nous répondre à ce message. Et Dieu bénisse, et on se voit juste après la pause. Dieu bénisse. Amen. Thank you.
Nous retrouvons-nous encore après ce court pause. Et aujourd'hui, nous avons une question qui nous recevoir. Et me tenir à dire que, avoir une question par rapport à ce qui se tient dans n'importe quelle affaire, nous là. Et surtout, quand je vais avoir cette question, on a une équipe d'intercession qui est là, nous prêt pour répondre et aussi pour prier pour notre foyer, surtout notre foyer. Et ce qui nous est là aujourd'hui, nous avons deux questions, nous pour faire comprendre que nous ne pouvons pas répondre toutes questions sur le plateau directement. Mais autant, voulu, quand nous pouvons continuer à faire l'émission, nous sommes capables de répondre à cette question. Et les questions, c'est que, une personne qui envoie une question et puis me dire, bon, donne les deux questions, je si je suis capable de vivre avec ma circonstance qui paraît, il est bon qu'ils se attendent. Et la première question, c'est que, et moi, non, mais à la maison, des enfants qui pas changer. Mon enfant, quelque part, et fin passe dans ma circonstance, qui m'a dit dans l'adolescence, vous pouvez prier, prier pour eux-mêmes, et vous pouvez trouver dans les papiers arrivés, mais qui vous pouvez bien faire? Ça, c'est la question. OK? Et vous pensez, vous pouvez répondre à cette question. Et aujourd'hui, et moi, non, deux exemples, vous pouvez donner, et ça vous donne beaucoup de force. Nous, en tant que parents, c'est nous devoir continuellement de prier pour nos enfants. Et l'exemple, c'est que, bon, pour rappel, c'est un garçon, et qui vraiment, et moi, pour dire à qui ça s'est adressé, dans les temps de ce parent qui est chrétien, dans les temps qu'il s'est fait grandir, et parents là, puis trouver les enfants là, peuvent être extrêmement mauvais, et vraiment beaucoup de problèmes, ils gagnaient. Cet enfant, puis il gagne beaucoup de mal de circonstances, qui crée la famille beaucoup de mal de problèmes. Et maintenant, qu'il est arrivé, mais c'est moi, les enfants là, puis ils donnent ce témoignage que tous les jours, quand tu fais retourner à la maman, tu peux faire mauvais. Son maman et son papa, tu peux prier pour lui. Et quand Yanzou, il peut rentrer, tous les matins, son maman priait, et son papa, surtout, c'est le témoignage qu'il peut donner. Son papa dit comme cela, et tu peux prier pour lui. Son papa, tu peux finir remercier Dieu en avant, Seigneur, merci pour mes enfants, et merci de te sentir, de te transformer. Et moi, j'ai envie de partager que la prière de mes parents, c'est une grande chose. OK? C'est une grande chose. Si deux enfants me passent dans ma circonstance, j'ai envie de partager ça avec eux, et même les temps. Qui Dieu peut agir. Mais de la prière, tu as besoin de persévérer. C'est ce qu'il appelle la persévérance de Mansa. Tu as besoin de persévérer. Et comment persévérer? Continuellement, prier pour lui. Et aussi, pas annuler la prière, mais remercier Dieu qui Dieu ne finit changer. Moi, penser le remerciement, c'est un grand quitus, c'est qu'ils ont besoin de faire dans la prière, surtout mes parents. Et la question était que mes enfants, ils peuvent boire, ils peuvent sortir, ils peuvent aller à qui rentrer. God, je te calme. God ou calme, cette personne qui peut être nous, God ou calme, et aussi adresse à tous mes parents. God, je te calme, et surtout prier pour cet enfant, pas relâcher. C'est une bataille, ça. Okay? Et une petite chose, et pour terminer, pour nous 42e question, c'est un témoignage, okay? C'est un parent qui fait prier pour son enfant, être converti pendant toute la vie, il prie pour maintenant, jamais il trouve son enfant converti. Mais le jour de son enterrement, et c'est un témoignage d'un petit ok, il n'est pas mauricien, mais c'est un témoignage qui me tendait moi-même. Le jour de ce l'enterrement, et ce dégarçon qui partit contre le Seigneur, il donne jour sur l'enterrement quand l'homme de Dieu donne le sermon, l'homme de Dieu partage la parole, ça des enfants qui donnent toutes les pierres. C'est que la prière, il n'est pas en vain. Et la prière, c'est une petite chose qui, quand on priait, nous demande Dieu, et la prière fervente demande juste, et une grande efficacité. Et mon vie encourage cette personne pour dire lui comme cela, continue de prier, et a beaucoup de patience envers ça, avec beaucoup d'amour, amène ses enfants-là, et aussi, bizarrement, certains règlements, vêtements de règlement, et à la maison, mais avec beaucoup d'amour, et surtout, ma jeune, de pas qu'attraper un bâton, pour surtout vous battre, mais c'est avec beaucoup d'amour, de dialogue, avec beaucoup de friendship, qui est capable d'amener ses enfants-là. Mais vous connaissez avec vous la prière, le Saint-Esprit, avec la sagesse donnée dans la parole de Dieu, Dieu vous donne de sa force. Amen. Amen. C'est la première question. Et la deuxième question, c'est, et moi, une famille de chrétiens, et mon père enseigne mon enfant, et tous les jours, mon père enseigne mon enfant, mais c'est moi, mon père trouve mon enfant qui ne peut pas changer, mon père trouve ceux qui, quelque part, ne peuvent pas obéir, mais est-ce qu'il y a un problème? Et mon pensée, mon père laisse à ma femme pour qu'elle réponde ça. OK, c'est une question un peu tough, vous donnez une question un petit peu tough. Voilà du Saint-Esprit. Amen, amen. Bon, mon point d'adressement avec cette parent-là, je connais un enfant, c'est un enfant, c'est ça qu'appelle les enfants. Tous les jours, nous vous instruisons. Il y a des enfants qui disent tous les jours, pas faire ça, ou connaît, après demain, il refait. Nous redis, pas faire ça, après demain, il refait. C'est ça qui nous faisait continuellement instruire. C'est ça, les enfants disent comme ça. Donc, je vous dis quelque chose, mais à plusieurs fois, vous dites, un mois, deux mois, ils vous finissent comme nous. C'est ça, continuez à instruire. Pas perdre du courage,
continuer à se faire, continuer à prier pour lui. Un jour, vous doublez, il vous met en pratique. C'est ça, les enfants, il y a différents âges. Nous ne parlons pas de l'âge, mais il y a différents âges. Continue de petit âge, instruire aux enfants selon la parole de Dieu. Mmh. Et que demain, il pouvait être grand, ben, il va vous détourner, mais il pourra finir que sur la parole de Dieu parce qu'il finit instruire. Pas perdre courage, mais continuer, instruire-lui, montrer-lui le droit chemin. Nous, bonnes parents, c'est nous devoir. Pour instruire nos enfants, pour amener comment Dieu finit. Et du côté par la prière. Nous pouvons instruire lui, nous savons dire, nous pouvons s'aimer, mais c'est nous besoin arroser ici. Mm-hmm. Hein? Nous besoin prier pour lui. Ce jeune ange qui se l'avenir est assuré dans la même route. Pas inquiété, mais toujours prier pour lui, mettre dans la prière continuellement. Il y a des fois où quand il n'y a pas trop le fruit, mais continuez comme en fait, tu me dis là, continuez prier pour lui, mettre dans la prière et au bout tout le fruit. On s'enlit continuellement tous les jours. Tous les jours, nous besoin faire lui. C'est nous devoir être un parent. Il y a des fois aussi comme petit peut-être quand papa tu me dis tu les as dit même affaires même affaires, mais c'est pas quand on a un âge adolescent que les paroles là, quand on parle dans sa difficulté là, la normalité qui papa tu dis à moi, qui maman tu dis à moi, qui veut c'est la Bible, qui m'a obligé à faire, mais là ça nous trouve sur utilité. Il y a des fois quand on peut dire disons là quand même il va pas prendre au compte. Mais c'est moi où vous se lève pour avoir une situation et vous dites, maman, tu dis à moi ça. Papa, tu dis à moi c'est inversé. Comment moi besoin faire? Moi, j'ai besoin de bouger, moi, j'ai besoin de lumière, moi. Comment moi besoin réagir? Qui m'a besoin faire? Là où vous l'utilisez, là. Peut-être là où vous pouvez instruire-lui aussi. Ou frère, instruire-lui selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, et vous trouvez souffrir. Ce qui m'a fait comprendre, c'est que vous apprenez sa morale là, d'une certaine façon. Tous les jours, continuellement, parce qu'à l'enfant là, il y a 6000 ça, il grable d'une certaine façon, il capte, il est là, il fait une vie de ce mode de vie. Et aussi, il m'a envie et la moindre de ses affaires, mais il y a des fois que nous-mêmes, mais vous pensez que mon plus pour madame aussi, et la volo là, que nous-mêmes, en tant que parents, nous faisons un exemple. Oui, l'exemple est important. Mm-hmm. Parce qu'il y a des fois, oui, justement, il y a des fois, vous connaissez, l'exemple vient d'en haut. C'est que, comme le format, tu disais, hein, quand nous guettons les enfants, nous finissons connaître ce qui passait la maison. Juste en regardant l'enfant. L'exemple, c'est nous-mêmes, nous faisons l'exemple. Il y a des fois, vous connaissez, quand nous corrigeons un enfant, il y a des fois, nous rendons une faiblesse. Peut-être papa peut corriger les enfants. Nous prenons, maman, c'est lesquels toujours les faibles. Nous disons ça. Non, pas faire ça, pas pour la sécurité de terre. Les enfants, allez de loin, ou quand même, ils peuvent gagner toujours, mais c'est pas les filles qui disent, oh, ça veut dire maman, il y a une petite faiblesse pour moi. Mais là, qu'il y fait, ils jouent avec ça, ils servent ça. Il y a des fois, on lui a fait ça, mais ça pas montré devant l'enfant. Parce que les enfants, ils observent. Les enfants, ils sont bien intelligents, ils sont bien intelligents, ils sont bien observés, ils sont bien intelligents, ils sont bien observés. Vous connaissez ça, il y a une petite faiblesse, mais ça va pas montrer une faiblesse devant nos enfants. Sinon, ils peuvent détruire ça, ils peuvent faire avec un abus. Est-ce que ici, si quelqu'un, peut-être, si papa nous bat un petit peu plus fort, comme fini, ou aller dans une point où il y dialogue, il est important encore. Et là, il est béni, il faut le corriger, mais c'est vraiment pensé. Si tu fais ça, pas trop, tu vas overreact tranquillement. C'est un dialogue de ta s'excuser, mais c'est pas devant nos enfants, pas faire, parce qu'il y trouve tout. Et il est intelligent, il connaît comment pour juste de tout ça. Juste de tout ça. Et il a la patience, beaucoup me connaissent, il y a des fois, c'est pas facile. Nul à trois. Juste trois. Chacun a un caractère, chacun a différent d'agir, chacun de thinking est différent. Nous devons adapter nous différemment. Hein? C'est le bon parent, je dois bien observer. C'est là, ce caractère, comment il était. Mais avec tout ça, avec l'aide du Saint-Esprit, il n'est pas difficile. Donc, il y a des fois, jusqu'à moi, oui, mais dans une parole, nous disons d'être nous, connaître comment aller fonctionner, les enfants-là. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est pour vous. Parce qu'il est différent. Mais vous pensez que la prochaine émission, nous capables de causer un petit peu concernant, et sinon, c'est le Saint-Esprit qui vous guide nous, par rapport à comment j'ai un parent, comment j'ai un enfant, comment vous corriger, comment pour cela. Mais vous pensez, dans ce temps, de ce moment, nous pourrions venir vers eux et tout le temps, et voilà, nous terminer, reste connecté avec nous sur nos plateaux de quiet and peaceful qui concerne nos foyers. Et joignez-nous, connecter avec nous et faire des bonnes choses qui Dieu il fait, et vos pensées, nous, ma conseil, qui nous fait de zone, qui vous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup du bien à zone, ok? Et au nom de moi, de ma famille, ok? On se revoit très bientôt sur le plateau de Quiet and Peaceful. Dieu bénisse zone,
On se voit et que la grâce de Dieu accompagne. Merci. You have